Salut la team Radix sur YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes prêts à tout déchirer. Si c'est le cas, eh ben, dans mon club privé Radix Fitness, on m'a lancé un défi. On m'a dit: Romain, la prochaine fois, nous voudrions 3 exercices avec une bouée et une piscine. Et ben vous savez quoi, j'ai relevé le challenge, je suis prêt et je lance donc cette session 3 exercices, 3 exos, donc 3 exos avec 3 séries, si vous souhaitez faire 3 séries, avec 3 niveaux de difficulté, 3 formes différentes de travail pour que tout le monde puisse y trouver son compte et puisse s'éclater. Donc si vous n'avez pas encore liké, bah déjà d'une part ma page YouTube, bah je vous invite à vous abonner et je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications pour voir la prochaine session 3. Si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez aussi en commentaire me dire avec quoi vous aimeriez que dans la prochaine vidéo, je fasse une session 3 exercices. Moi, ce que je vous recommande aussi de faire, c'est de rejoindre le Radix Club privé. C'est un club où on cherche à travailler sur la perte de poids, mais surtout sur la santé et la motivation. C'est un groupe où on a des résultats et où les membres sont satisfaits et peuvent bien sûr participer à des sondages, à des foires aux questions et même parfois me lancer des défis comme là. Donc si vous aimez quand ça bouge, si vous aimez quand c'est fun, rejoignez donc le Radix Club privé. Vous avez le lien directement en dessous dans la description. Allez, trêve de bavardage, on vérifie qu'on a mis les lacets, on vérifie qu'on a un petit peu de place autour parce que mine de rien, comme dans tout cours, on va faire un échauffement, d'accord? Donc on a prévu notre petite bouteille d'eau, c'est pas la même bouteille d'eau que la bouteille que vous buvez tout au long de la journée, c'est votre bouteille de sport. Allez, on se met en route, let's go! Allez, on se positionne, on vérifie que les lacets soient bien serrés, les genoux sont souples, les abdos se serrent, la tête se lève. On inspire vers le haut, on expire vers le bas. On the road again, on the road again, on démarre. Step touch, droite et gauche. Allez, on y va. Hop, c'est juste. Écarte serre avec des genoux bien souples et les abdos bien serrés. La tête est haute, la poitrine est fière et le sourire est immense. On va passer dans la piscine, donc il n'y a rien de mieux que ça. Allez, tranquillement, on ajoute les petits bras devant. Tout simplement parce que dans cette session, 3 exercices, vous allez avoir un exercice qui va concerner la partie haute de votre corps, la partie basse de votre corps et enfin la sangle abdominale. J'espère qu'on aura encore du beau temps en septembre pour qu'on puisse s'éclater ensemble. Regarde le petit changement en bas. L'avant de mon pied frôle ici le sol pour bien échauffer l'arrière de ma jambe. Gagne tes abdos, contracte ton périnée et surtout n'oublie pas qu'on est là pour s'éclater ensemble. Je te propose un petit changement, regarde au niveau des bras. Ici, on croise, on tire, on croise, on tire. Excellente! En musique, le sport est plus fun. La motivation, on en a discuté dans notre groupe privé. Regarde pour le changement ici. Twiste la taille, engage, touc, là. Quand tu lèves ton genou droit, tu l'orientes vers ton épaule gauche. Quand tu lèves ton genou gauche, tu l'orientes vers ton épaule droite. Tu n'oublies pas d'expirer, tu crunches. Tu n'oublies pas d'engager ta sangle abdominale. Deux, c'est mieux. Ensemble, on va plus loin. Deux genoux. Deux. Un, échange. Ton coach, Radix Fitness, Romain Fauvé Coaching, c'est ton coach préféré. Je suis là pour toi, je suis là pour t'aider à obtenir des résultats et passer des moments uniques. On bloque les jambes et on vient chercher ici. Première flexion, squat et on remonte. On a mis de côté maintenant l'échauffement articulaire pour aller chercher un échauffement plus profond musculaire. Inspire en descendant, souffle en remontant entre tes orteils, garde le dos droit. Je te propose une accélération, single en bas et en haut. Pas trop vite, cherche le contrôle, que ce soit ici sur la terre ou dans le sol. Il faudra toujours être sous contrôle. Ne bloque pas tes genoux en position haute. Sur la terre, on protège l'articulation. Ça sera un peu différent dans la piscine. D'accord? Encore. Allez, un peu plus d'amplitude, un peu plus de profondeur. On va bien chauffer la partie basse de notre corps. N'oublie pas d'engager tes abdos, que ce soit ici sur terre ou ici dans la piscine. D'accord? Ok. Relâche et marche un petit peu sur place. Impeccable, on va chauffer la partie haute de ton corps. Si tu es capable de coordonner la marche avec le haut de ton corps, continue avec moi. Devant, derrière, devant, derrière. Ça permet de ne pas ralentir la fréquence cardiaque. On accélère un petit peu, on y va. 1, 2 et tire. 1, 2 et tire. Encore. 1, 2. Sentir ces épaules qui se détendent et qui restent bien basses pour pouvoir engager au maximum les dorsaux. La suite, elle est là, au-dessus de la tête et on tire. 1 et tire. 1 et tire, encore, wop, yes,
L'important, c'est de bien chauffer ses épaules. Parce que quel que soit l'exercice que vous ferez, dans n'importe quelle situation, vos épaules sont engagées. 1, 2 et ramène. Go. 1, 2, tract. Objectif, imaginez que tu veux toucher tes coudes juste au-dessus de tes fesses. Ça roule ou pas? Yep, yep, low. Yep, yep, yo. Tac, tac, yes. Tac, tac. Je te propose de courir un petit peu sur place maintenant si tu peux. Si tu as des problèmes articulaires, pieds, chevilles, genoux, hanches, dos, n'hésite pas à remplacer par de la marche. Porte une bonne brassière pour l'instant. Quand tu fais dans la piscine ou même en aquagym, n'oublie pas de mettre des brassières, c'est important. On punch vers l'avant. Punch, 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 punch. Si tu le fais en marchant, on est là, hein, d'accord? No stress. Tout va bien, no panic. Avec Radix Fitness, Romain Pauvet, ton coach préféré, no panic. Légèrement en diagonale. Hé, hé, hé. La température commence à monter. Même s'il fait chaud dehors, il est important de faire monter la température dans tout ton corps. Échauffement de l'arrière des bras. On vient ici, on tire les coudes là, et on tend, et on tend, et on tend. Ok, on peut le faire en marchant, tu te souviens, hein? Hop, hop, hop. Impeccable. Là, on est bien chaud, on est bien prêt. On va pouvoir gagner un peu en souplesse et en mobilité. Marche. Super. On va faire quelques assouplissements pour gagner en souplesse, en mobilité, pour pouvoir être prêt pour notre séance dans la piscine. On appuie sur une jambe, talon à la fesse, puis coller les genoux côte à côte. Je te promets donc une séance, si tu fais 3 séries avec moi, tu vas pouvoir, change de jambe, faire une séance d'environ 30 minutes. Si tu veux travailler moins longtemps, tu pourras faire 2 séries, ce qui t'amènera à 20 minutes. Soit vous avez un support, soit vous le faites au sol ici, on plante un talon et on incline en avant. Si vous avez un peu plus de temps, vous ferez 4 séries. Est-ce qui vous amènera à 40 minutes? Si vous avez encore plus de temps, vous ferez 5 séries. Est-ce qui vous amènera à 50, 55 minutes à peu près? D'accord? Vous gérez aussi au niveau de ça. 3 exercices avec 3 niveaux de difficulté. Je vous présente à chaque fois niveau 1, niveau 2, niveau 3 sur les 3 séries. On étire un petit peu l'épaule aussi ici en gardant l'épaule basse. Ça, ce sera constant. Même dans l'eau, quand on va faire notre premier exercice tout à l'heure, très important de détendre les trapèzes. L'autre bras, satisfaction! Vous aussi, vous avez hâte de sauter dans l'eau, hein? Allez, le bras au-dessus de la tête. Come on, and get my... C'est du matériel qu'on a à la maison, hein, bien sûr. Hein. Pour certains, vous avez une piscine. Pour certains, vous avez une bouée. Voilà, il n'y a pas d'invention. Les mains dans le dos, on ouvre la cage, on regarde vers le ciel. Un magnifique ciel bleu. Satisfaction! Ok, on relâche. On boit un bon petit coup et on va se retrouver dans quelques secondes à l'intérieur du bassin. Allez, nous y voilà, nous nous retrouvons donc dans le bassin pour notre session 3 exercices. Comme d'habitude, possibilité de faire 3 séries pour à peu près 30 minutes. On peut faire aussi 20 minutes avec seulement 2 séries. On peut faire 40 minutes avec 4 séries et 50 minutes, 60 minutes avec 5 séries. Je vais récupérer ma bouée, on va pas prendre celle-là. On va prendre une petite bouée jusque-là. Hop. Donc le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser une bouée qui ne va pas être trop gonflée, d'accord? Dégonflez-la volontairement. On va commencer par le travail de la partie haute du corps, comme ça, ça continuera de nous échauffer au niveau du restant du corps. Là, on va attraper la bouée ici, de part et d'autre. On va se placer un pied devant, un pied derrière, et juste en surface, en enfonçant très légèrement, on va venir pousser les bras vers l'avant pour juste avoir la résistance de l'eau à l'aller et au retour. Et bien garder les épaules basses, d'accord? Donc on est parti avec 3 niveaux de difficulté. Pour les personnes qui sont débutants, vous ferez 10, 12 répétitions. Pour les personnes qui sont intermédiaires, vous irez jusqu'à 15 répétitions. Pour les personnes qui ont un niveau confirmé, on monte à 20 répétitions. Allez, on démarre avec moi. 3, 2, 1. Un pied devant, un pied derrière. On pousse et on ramène. 1, 2. Ici, sur l'extension, on a un beau travail au niveau des triceps, l'arrière des bras, la poitrine. 5, 6. Et sur le retour, les dorsaux en gardant les épaules basses. Les coudes immergés dans l'eau. 9, 10. On est dans la fourchette de travail. Donc des personnes qui sont en niveau débutant. Toujours dans la fourchette. 13 maintenant. 14, 15 pour cette première série. Souffle vers l'avant, inspire vers l'arrière. Je vais monter à 20 pour être avec les personnes qui ont un niveau confirmé. Je vous rappelle que comme cette vidéo, elle n'est pas en live, vous avez la possibilité de la regarder et d'avancer pour avoir les niveaux un peu plus avancés juste derrière.
Ici, vous pouvez récupérer un petit peu, boire un coup, prendre une petite pause supplémentaire si nécessaire. Et on va démarrer, on va continuer donc avec la série numéro 2, d'accord? On passe à la deuxième série. Là, on va aller mettre de l'intensité supplémentaire. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et ça va engager monstrueusement vos abdos. On va tout simplement venir immerger la bouée et venir pousser ici vers l'avant en la conservant le plus immergée possible. Donc là, le niveau de difficulté, il explose. Tout simplement, tu vas sentir que hop, tu te soulèves. Si c'est trop dur, tu dégonfles encore un petit peu ta bouée, d'accord? Et tu gagnes les abdos. Tu peux mettre l'autre pied devant, l'autre pied derrière. Et quand tu es prête à partir, je te dis let's go! Allez, on y va pour 10 répétitions pour les débutants. Allez, on essaie de la garder immergée. 2, 3, 4, super! 5, encore, 6, 7, 8, 9, 10, on est dans la fourchette de travail pour nos amis les débutants, on a tous commencé, hein, 12, donc forcément, il n'y a aucun problème avec ça, 14 et 15, allez encore, on va faire 20 aussi, je me sens facile sur ce mouvement, 17, 18, 19, et 20, nickel, on prend la petite récup qui va bien, troisième série, donc peut-être que ce niveau vous conviendra, vous garderez le même niveau que ce qu'on vient de faire, ou peut-être que vous serez obligé de revenir au niveau précédent, d'accord, et vous verrez bien si vous avez envie de faire une quatrième et une cinquième série, au moins pour cet exercice, qui travaille donc la globalité du haut du corps et très fortement vos abdos. Les appuis, c'est différent hein, ici, hein, ça demande aussi une habitude. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va varier le travail avec une trajectoire un peu plus vers le bas, d'accord? Une trajectoire un petit peu plus vers le bas, en diagonale plongeante. Et donc là, on va continuer à avoir un travail de la chaîne antérieure et de la chaîne postérieure. On est parti. Allez, immersion dès le point de départ et en diagonale vers le bas. 1, 2, 3, 4, un pied devant, un pied derrière. 5, serre les abdos, contracte le périnée. 6, allez, la bouée doit disparaître complètement dans l'eau au bout, hein. 9, allez, 10 pour la fourchette débutant, 11, 12, ben là, ça déjà, c'est déjà un autre monde, hein. Je vais peut-être pas monter à 20, on va bien voir, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20, nickel, j'espère que cet exercice vous a plu. Alors ce que vous pouvez faire maintenant, c'est mettre une petite pause sur la vidéo et refaire une série numéro 4 pour monter à 40 minutes de travail, ou une série numéro 5 pour monter à 50 minutes de travail, d'accord? Vous pouvez même, si vous le souhaitez, avoir un exercice qui combine un petit peu tout ça, c'est-à-dire avoir la trajectoire descendante et la trajectoire en surface, une sur deux. Comme ça, ça nous permet d'avoir encore une fois un exercice super adapté à chacun. Je vais boire un petit coup et on se reprend dans quelques secondes. Voilà, nous sommes de retour pour maintenant faire 3 séries avec moi. Bien sûr, vous pouvez toujours faire 2 séries ou 4 ou 5 avec un exercice qui va localiser la partie inférieure du corps. Et je suis sûr que vous allez kiffer quand je vais dire ça. On va travailler les fessiers, d'accord? Donc le premier exercice, la bouée nous sert de point d'appui pour la partie haute de notre corps. On la presse un petit peu dans l'eau en engageant les abdos. Le fait d'engager les abdos et de basculer un petit peu comme ça son bassin en rétroversion, ça va créer un engagement plus fort de la sangle abdominale, du périnée, et on va avoir un meilleur travail au niveau des fessiers. D'accord ? Donc là, on va partir pour 10, 12 reps pour les débutants, 15 reps ou 20 reps pour les habitués avec une jambe puis l'autre. Donc on ne prend pas de temps de pause. À peine le temps pour moi de vous expliquer les différents niveaux. On se positionne ici et on va aller en appui, par exemple sur ma jambe gauche, amener la jambe droite ici vers l'arrière, d'accord? Donc le but, comme on ne tient pas par exemple le rebord, c'est vraiment d'être le plus stable possible, d'accord? Allez, c'est parti, extension vers l'arrière, jambe droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la jambe est presque tendue, hein. 7, je garde une légère flexion au niveau du genou, mais la jambe est presque tendue, mon buste est un tout petit peu penché vers l'avant, mais pas trop, et je serre les abdos. On est dans la fourchette de travail des débutants, on sent que l'eau hein, oppose une bonne résistance quand même, d'accord? 14, 15 pour les intermédiaires, allez, je vais monter à 20, 16, 17, 18, 19,
et 20. Pas de perte de temps, on fait la deuxième jambe tout de suite derrière. Allez, 1. Donc par rapport, 2, au travail habituel, on a l'habitude de le faire, hein, cet exercice-là, sur la terre ferme, d'accord? Là, l'avantage, c'est que la jambe qui nous sert de jambe d'appui a tendance à beaucoup plus se reposer que quand on est sur la terre. Hein. On arrive dans la fourchette de travail des débutants. 11, 12, serre les abdos. 13, 14, 15, 16. Allez, 17, 18, 19 et 20. Impeccable. Maintenant, juste le temps pour moi de vous expliquer la suite. On va venir glisser notre jambe à l'intérieur pour y caler dans le creux du genou. Il va falloir qu'on tienne notre bouée, en même temps on va céder un peu des bras pour venir descendre et tendre la jambe vers le sol comme si on voulait taper le talon au final au fond de la piscine. D'accord ? Mais il faut tenir un petit peu la bouée parce que sinon elle va se sauver. D'accord ? Et en même temps, on se donne un coup de main. Donc là, difficile de se stabiliser, on y va. Allez, let's go. 1, 2, 3, voilà. 4, alors peut-être que vous allez tourner comme moi, c'est pas bien grave. 5, 6, maintenez bien la bouée sous le genou. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il faut chercher à tendre la jambe vers le fond. Hein. 16, allez, je monte jusqu'aux habitués. 17, vous voyez encore ou pas? 18, 9 et 20. Impeccable. On va pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc le but, comme si on voulait donner un coup de talon finalement au fond du bassin. On y va? Allez, on se trouve de l'équilibre et de la stabilité et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On doit bien sûr serrer les abdos et contacter le périnée là-dessus. Hein. 7, 8, 9, 10. On est dans la fourchette des débutants. 12. Bien entendu, comme chaque exercice qu'il se passe dans une piscine, sur la terre ferme, là, il faudra le pratiquer plusieurs fois pour vraiment le dompter, le maîtriser. Là, moi, je commence vraiment à en ressentir les bons effets et je contracte même ma cuisse en fin de mouvement. Je pense que c'est la dernière, j'en ai peut-être même fait une de trop, mais c'est pas bien grave. Qui peut le plus, peut le moins, n'est-ce pas? Alors, pour la suite, si vraiment vous n'avez pas envie de bouger dans tous les sens, vous allez peut-être pouvoir vous tenir après une échelle ou quelque chose comme ça avec au moins une main. Moi, je vais essayer de le faire sans me tenir. Maintenant, on va aller mettre le pied dans la bouée et on va aller pousser directement le pied vers le sol. Alors faites gaffe de ne pas partir le pied vers l'arrière, sinon la jambe va remonter en arrière et vous allez perdre le contrôle. Donc là, hop, on met la bouée en dessous du pied et là, on y va. Donc on commence avec la jambe droite pour 20 répétitions. C'est parti. 1, 2, allez, on tend vers le fond. 3, d'où l'importance de ne pas trop gonfler. 4, sa bouée, d'accord? 5, à chaque fois, 6, ça vous fait peut-être décoller aussi au niveau du pied d'appui. 8, 9, wow, 10, quand on monte bien haut, c'est dur, hein? 11, allez, la fourchette de travail de notre bon vieux débutant. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super, magnifique. Faisons la même chose avec l'autre jambe. Alors ça va être ma mauvaise jambe. Voir si je vais y arriver déjà à l'installer. Ok, je trouve l'équilibre. Allez, on y va ensemble. Là, la difficulté, c'est pour mes pratiquants et moi-même. Hein. Radix Fitness, on mouille le maillot ce matin. Hein. C'est le terme. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vous me voyez de près là,
17, 18, 19 et 20, 20, yes, impeccable. Waouh, donc là maintenant, si tu as envie de faire une séance plus longue, bah tu passes à 40 minutes avec un quatrième tour et tu choisis le niveau que tu as envie de faire. Tu peux très bien avoir fait cette série-là et redescendre ensuite ou la cinquième série. Je te dis, on va boire un coup même si on est dans l'eau et je te dis à tout de suite. Allez, de retour après cette pause, soit pour faire des séries supplémentaires ou soit pour s'hydrater, pour le dernier exercice au niveau de la sangle abdominale, d'accord? Donc l'exercice, en fait, eh ben, il va être décomposé en partie haute, partie basse et partie la globalité des abdos. Donc finalement, la série qu'on va dire la première pour les débutants, vous pourrez la faire quand vous voulez travailler plutôt le haut de vos abdos. La série intermédiaire, vous pourrez la faire pour plutôt travailler la partie inférieure des abdos. Et la partie finale, vous allez pouvoir la faire pour travailler la globalité. Mais même les bras vont travailler dans cet exercice. Donc la première chose qu'on va faire, c'est revenir ici dans un côté immersion au niveau de votre bouée. On peut même mettre, si on veut, les avant-bras à l'intérieur pour éviter de trop utiliser les bras. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir incliner le buste en avant pour faire comme si on était au sol, un crunch. D'accord ? Il ne faut pas descendre le dos à plat, mais il faut chercher à s'enrouler comme si on voulait rentrer dans la coquille d'un escargot. D'accord ? Donc il faut vraiment s'enrouler. Ça travaille fort les abdos. Hein. J'ai fait ma séance d'abdos hier matin, je peux vous dire que je les ressens bien là. Donc c'est un exercice qui va être super efficace. Tu es opérationnel ? On part pour 10-12 pour les débutants, 15 pour les intermédiaires et 20 pour les confirmés. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3, souffle, 4, 5, la respiration, 6, elle est très importante sur tous les exercices, 7, mais elle est encore plus importante, 8, ici, pour le travail de la sangle abdominale, 9, parce que tu vas rentrer ton nombril, 10, 11, les intermédiaires, c'est pour vous maintenant, 12, 13, 14, 15, allez, on va vers les confirmés. Allez, expire, expire. Ça t'évitera de boire la tasse en même temps. 9 et 20. Donc, il faut vraiment éviter hein, de faire cette action avec les épaules. Les garder basses, comme ce que j'apprends à mes pratiquantes de yoga et de pilates. Fixer les omoplates, garder basses et juste avoir une action où on incline vers l'avant pour pousser finalement la bouée au fond de la flotte. On est d'accord ? C'était la série numéro 1, là il faut que tu récupères un petit peu dans tous les cas. Maintenant qu'on a vu comment travailler la partie haute de ses abdos, on va voir comment travailler la partie inférieure de ses abdos. Vous allez avoir deux possibilités. Si votre bouée ne vous porte pas suffisamment ou si vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez peur de mettre la tête sous l'eau, vous allez pouvoir faire l'exercice comme ça ici en venant vous tenir au bord de la piscine avec les mains pour ramener en fait les deux cuisses en direction de l'abdomen. Comme moi, mon défi devait être de le faire avec la bouée, bah, je vais le tenter avec la bouée. Donc, il est fort possible que je finisse au fond de la piscine. D'accord ? On va venir tenir ici notre bouée avec nos bras et on va 1, 2, ramener les genoux groupés comme si on voulait les taper quelque part dans la bouée. On va voir si j'arrive à faire les 20 répétitions. D'accord ? Chacun, nous, notre tour, nous avons nos défis. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez je m'en vais hein, 11, 12, allez on passe pour les intermédiaires, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, j'en reviens hein. Donc ça c'était notre niveau 2. Si on veut plutôt travailler la partie inférieure des abdos. Donc comme je l'ai dit, en tenant la bouée ou en se tenant au bord du liner. D'accord ? Il n'y a pas de problème, ça fonctionne dans les deux cas. Troisième exercice, troisième niveau. Finalement, là vous l'avez compris, on va mélanger un petit peu tout ça. Et on va finalement faire les deux mouvements en même temps. Donc on va avoir cet appui vers le bas. Donc soit avec les mains ou avec les avant-bras, si vous arrivez à tenir la bouée avec les avant-bras. Et en même temps, on va remonter les genoux. Donc là, cette fois-ci, il va falloir qu'on écarte les genoux pour faire passer la bouée entre nos jambes. On est d'accord ? Moi, je crois qu'on peut y aller. Hein. On a pris à peu près 30 secondes de récup, pas besoin de plus. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2,
3. Bien écarter les jambes. 4. Contracte le périnée. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Allez, les intermédiaires. 15. Vous avez vu, hein, j'ai fait toute la session avec les confirmés hein, ce matin. Enfin, ouf. Peu importe le moment où vous allez regarder la vidéo. 9 et 20. Yeah! Bon. Après, il faudra laisser hein, la place à vos enfants de s'amuser dans la piscine. Donc, avant de vous allonger sur votre bouée pardon, pour buller, ben moi, je vous invite à repasser donc debout. Pourquoi pas sur la terre ferme. D'accord? Moi, je vais vous les présenter sur la terre ferme. Vous arriverez peut-être à en faire certains dans la piscine, d'accord? Moi, je vous présente le stretching sur la terre ferme. On est d'accord? Allez, let's go, c'est parti. Et voilà, on est sorti du bassin. On a bien bu un bon petit coup. On a bien travaillé. C'était super. J'espère que tous ces mouvements vous ont plu. Pensez à bien choisir votre niveau. N'hésitez pas en commentaire à m'écrire. Voilà, j'ai fait ta vidéo, Romain. J'ai utilisé le niveau 1. J'ai fait 2, 3, 4, 5 séries. Dites-moi ce que vous avez fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que j'adore partager avec vous. Donc, on peut faire maintenant la session étirement qu'on va faire là, dans la piscine ou ici avec moi sur la terre ferme. Soit on se tient quelque part, soit on est en équilibre sur une jambe, donc on va étirer la cuisse qu'on a malgré tout travaillé tout à l'heure dans nos petites extensions que l'on a fait. Ça a super bien travaillé. Ah, c'est juste pour détendre les muscles hein, et repartir du bon pied. Bon, bah là, c'est sûr que changer de jambe dans l'eau, c'est pas la même chose hein, parce que bah, on a le massage au niveau de l'eau. L'eau, eh ben, c'est super bien pour les personnes qui sont en surpoids, qui ont du mal à se porter. Et ça permet aussi un massage, un drainage. Et puis, ben, c'est efficace de travailler comme ça au niveau de l'eau. D'accord? Comme tout à l'heure, on vient planter un talon soit ici sur un rebord, soit directement au sol. Change de jambe. Nickel. On va étirer aussi nos adducteurs à l'intérieur des jambes. Ici, on écarte les pieds au maximum. On descend le bassin dans le sol. On va mettre les mains ici et descendre. On prend appui, on resserre les jambes et on vient étirer aussi le haut du corps. Épaules ici, en gardant l'épaule basse, on souffle. Tout ça, on peut le faire dans l'eau. On est très très bien. Donc je remercie bah, Stéphanie qui se reconnaîtra probablement, l'autre bras qui m'a donc lancé entre guillemets ce petit défi. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné au club privé sur Facebook, mon club privé, mon club dédié aux femmes qui souhaitent perdre du poids, avoir une bonne santé, une santé de fer et être motivées, eh ben, rejoignez pour pouvoir me lancer aussi un petit peu des défis comme ça. Mais vous pouvez me le lancer aussi en dessous de cette vidéo. Pour le triceps, un bras au-dessus de la tête, on appuie sur le coude. Changement de bras, pareil de l'autre côté. Excellent, on relâche et ici on vient pousser les mains vers l'arrière et le bas. Regardez vers le haut, inspirez. Faire un plongeon en avant quelque part. Arrondir le dos. Wouh ! Impeccable, et là on est prêt pour repiquer une tête, mais plutôt en mode cool, d'accord? Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la partager autour de vous, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube en cliquant bah, sur s'abonner et en activant la cloche des notifications pour avoir tous les détails. Commentez en dessous de cette vidéo ou si vous êtes dans le groupe privé, d'ailleurs rejoignez le groupe privé en regardant dans la description le lien, ok? Cliquez dans le groupe, rejoignez le groupe privé, comme ça vous pourrez directement me donner ce que vous avez envie de travailler là une prochaine fois dans la session 3 exercices le mois prochain. Vous pouvez également la mettre en dessous de cette vidéo en commentaire, votre petite suggestion. En tout cas, merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez fait ça en commentaire sur YouTube, sur Facebook, partout. Mettez ce que vous avez réalisé exactement et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On reste motivé comme toujours, la team Radic, je vous kiffe. Merci à vous et gardez le feu, gardez la pêche. Ciao !